Salut tout le monde, bienvenue sur Duplicate Club pour entamer une nouvelle semaine de parties inédites sur la chaîne. 6 parties par semaine, lundi, aujourd'hui c'est lundi, donc partie normale, 100% aléatoire. Le mardi, c'est partie normale à vocabulaire courant. Le mercredi, partie joker. Le jeudi, partie joker à vocabulaire courant. Le vendredi, c'est détonnante. Et le samedi, 7 sur 8 à vocabulaire courant. Donc si vous aimez les parties originales, vous êtes servi, vous avez de quoi faire. Si vous aimez les parties à vocabulaire courant, c'est pareil. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, sur la chaîne, chaque partie est publiée en 3 versions de temps. Temps de réflexion par coup, donc 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes. Avec une première diffusion qui a lieu à 10h pour la version en 2 minutes, à 14h pour la 3 minutes, et à 20h pour la 1 minute, la Blitz. Donc, et puis ensuite, toutes les vidéos sont disponibles à tout moment. Si vous voulez vous faire un petit marathon de Blitz sur le week-end, eh bien vous avez le récapitulatif de toutes les parties version Blitz. De la même manière, vous avez les 2 minutes, les 3 minutes dans les playlists dédiées. Voilà. On va démarrer donc cette partie à l'issue de laquelle vous aurez droit à un petit décodage complet. On va passer en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les sous-topes, les principaux, les définitions des mots peu courants et puis les potentialités des tirages. Voilà, je vous souhaite une très très bonne partie et je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore parmi les 1062 que vous êtes actuellement, que compte la chaîne comme abonné actuellement. Eh bien, je vous invite à le faire, en parler autour de vous, etc., etc. Allez, on enlève la lettre qui est en bas, je vous souhaite une très très bonne partie. Voici votre premier tirage, Luxembourg L, Tunisie T, Belgique B, Égypte E, Italie I, France F et Algérie A. Vous jouez avec Luxembourg, Tunisie, Belgique, Égypte, Italie, France et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 30 points. Faites attention à la solution choisie horizontalement en H4. Nous posons faible F A I B L sur la case centrale et E. Faible F A I B L E en H4. Ça vaut 30 points. Au reliquat, une lettre, Tunisie. Voici pour compléter Égypte E deux fois. Québec Q. Québec. Égypte E troisième.
Venezuela, V. Et Luxembourg, L. Vous jouez avec Tunisie, Égypte trois fois, Québec, Venezuela et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 22 points. Attention à la solution choisie. Horizontalement en G9, en partant au-dessus du E de faible, nous plaçons Velt. V-E-L-T-E. Nous avons joué Velt. Alors, oui, pardon, le V forme VVE avec le E de faible. Et donc nous avons joué Velt, VELTE en G9 pour 22 points. Reliquat de deux lettres, Égypte et Québec. On ajoute rien, on rejette. On rejette le E et le Q. Et voici Roumanie, R. Océanie, O. Algérie, A. Égypte, E. Norvège, N. Uruguay, U. Et Algérie, A, c'est le deuxième. Vous jouez avec Roumanie, Océanie, Algérie deux fois, Égypte, Norvège et Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Vingt-cinq points. Horizontalement, en H11, en collant dessous les trois dernières lettres de Velt, nous posons ONE. A-U-N-E-R. Au passage, on forme LA, L-A, TU-T-U et EN avec les lettres, avec trois des lettres, avec les trois dernières lettres précisément, de Velt. ONE, A-U-N-E-R en H11, ça vaut 25 points.
deux lettres au reliquat, Algérie, Océanie. On ajoute Égypte E, Algérie A, deuxième, Norvège N, Portugal P, Égypte E, deuxième. Vous jouez avec Algérie deux fois, Océanie, Égypte deux fois, Norvège et Portugal. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Vingt-cinq points. Attention à l'orthographe du mot. Horizontalement en F6, nous posons Péan. P-A-E-A-N. Attention, c'est un attention. Attention, c'est un mot de cinq lettres. P-A-E-A-N. Le deuxième A transforme V en AV. Et le N forme NE, N-E avec le premier E de Velt. Péan, P-A-E-A-N, en F6. Ça vaut 25 points. Deux lettres au reliquat, Égypte et Océanie. On ajoute Roumanie, R. Hongrie, H. Algérie, A. Océanie, O. Deuxième. Belgique, B. Vous jouez avec Égypte, Océanie deux fois, Roumanie, Hongrie, Algérie et Belgique. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. 32 points. Verticalement en 13G, en partant de EN, de AN déjà sur la grille, nous descendons en herba. EN, donc déjà en place, et on ajoute H, E, R, B, A. En herba, EN, H, E, R, B, A, en 13G, ça vaut 32 points.
deux lettres au reliquat, Océanie deux fois. On ajoute Luxembourg L. Joker, lettre blanche. Suisse S. Égypte E. Et Jordanie J. Vous jouez avec Océanie deux fois, Luxembourg, Joker, Suisse, Égypte et Jordanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 68 points. Le joker remplace un I d'Italie. Horizontalement en N10, pour mettre justement le I joker au bout de en herba, nous posons jolie. J-O-L, joker I d'Italie, E, n'oubliez pas le S final, le I joker transformant en herba en herbe AI. Jolie, J-O-L-I-E-S, en N10, ça vaut 68 points. Une lettre reliquat, Océanie. Voici Maroc, M. Tunisie, T. Venezuela V, Norvège N, Luxembourg L, Algérie A. Vous jouez avec Océanie, Maroc, Tunisie, Venezuela, Norvège, Luxembourg et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Vingt-neuf points. Horizontalement en E8, en collant au-dessus de Péan et des autres mots présents, nous posons VLAN, V-L-A-N. Le V forme V. Le L transforme AV en lave et le A transforme né en âne. VLAN, V-L-A-N en E8,
ça vaut 29 points. Trois lettres au reliquat, Maroc, Océanie, Tunisie. On ajoute Suisse S, Égypte E, Québec Q, Québec, et Océanie O, deuxième. Vous jouez avec Maroc, Océanie deux fois, Tunisie, Suisse, Égypte et Québec. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Vingt-neuf points. Horizontalement en O7. Pour terminer sous les deux premières lettres de Jolie, nous posons Tom. T-O-M-E-S. Le E forme je, J-E, et le S, os, O-S avec les deux premières lettres de Jolie. Tom, T-O-M-E-S, en O. 7, ça fait 29 points. Deux lettres reliquats, Océanie et Québec. On ajoute Yougoslavie Y, Égypte E, Grèce G, Maroc M, Océanie O, c'est le deuxième. Vous jouez avec Océanie deux fois, Québec, Yougoslavie, Égypte, Grèce et Maroc. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. 36 points. Horizontalement en N4. Pour terminer au-dessus du T de Tom, nous posons Moyer M O Y E. Le E forme EET avec le T de Tom. Moyer M O Y E en N4.
ça vaut 36 points. Reliquat de trois lettres, Grèce, Océanie, Québec. Nous ajoutons Uruguay, U. Zambie, Z. Wallonie, W. Algérie, A. Vous jouez avec Grèce, Océanie, Québec, Uruguay, Zambie, Wallonie et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 57 points. Verticalement en 8A pour terminer sur V, VE. Déjà sur la grille, nous descendons Zouave. Z, O, U, A, V de Vlan et E de Péan. Zouave, Z, O, U, A, V, E. En 8A, ça vaut 57 points. Trois lettres au reliquat, Grèce, Québec et Wallonie. On ajoute Italie, I. Uruguay, U. Canada, C. Et Suisse, S. Vous jouez avec Grèce, Québec, Wallonie, Italie, Uruguay, Canada et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Vingt-sept points. Horizontalement en B6, en appui sur le O de Zouave, nous posons quoi ? Q, U, O, I. Quoi ? Q, U, O, I en B6.
Ça fait 27 points. Donc, une petite parenthèse, là, nous sommes lundi. Hier, en France, avait lieu. Hier, nous étions dimanche 25 novembre, 27 novembre, pardon. Et avait lieu la phase 2 du championnat de France 2023. Et donc, les parties, trois parties normales en 3 minutes, vous seront proposées d'ici quelques jours sur la chaîne. Voilà, parenthèse fermée. Un reliquat de 4 lettres, Canada, Grèce, Suisse et Wallonie. On ajoute Tunisie, T, Uruguay, U et Égypte, E. Vous jouez avec Canada, Grèce, Suisse, Wallonie, Tunisie, Uruguay et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Deux points horizontalement en J13 en partant du E disponible de en RB, nous posons EWE, 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 EWE en J13, ça vaut 32 points. Un reliquat de 5 lettres, Canada, Grèce, Suisse, Tunisie et Uruguay. Vous allez rejeter ces 5 lettres, donc le G, le C, le G, le S, le T et le U. Vous les rejetez. Et voici un nouveau tirage. Joker, lettre blanche. Italie, I, deux fois. Norvège, N. Maroc, M. Danemark, D. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Joker, Italie deux fois, Norvège, Maroc, Danemark et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum
à 28 points horizontalement en haut 1 pour terminer sous les deux premières lettres de moyer et en utilisant le joker comme un E d'Égypte, nous posons deux nîmes. D-E-N-I-M. E joker. Et donc le I forme mi, M-I et le M homme avec le M et le O de moyer. De Nîmes, D-E-N-I-M en O1. Ça vaut 28 points. Au reliquat, deux lettres, Italie, Roumanie. On ajoute Égypte, E. Uruguay, U. Tunisie, T. Suisse, S. Et Algérie, A. Vous jouez avec Italie, Roumanie, Égypte, Uruguay, Tunisie, Suisse et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Soixante-douze points verticalement en 4 E en appui sur le F de faible. Nous descendons sur fête. S U R F A I T E. Sur fête, S U R F A I T E en 4 E. Ça vaut 72 points. Aucune lettre au reliquat. Après ce Scrabble, voici Uruguay U. Tunisie T. Hongrie, H. Canada, C. Grèce, G. Égypte, E. Et Danemark, D. Vous jouez avec Uruguay, Tunisie, Hongrie, Canada, Grèce, Égypte et Danemark. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 42 points. Horizontalement en haut 13 pour coller sous la deuxième moitié de Joly. Nous posons T, T, H, E. Le T transforme en RB, AI en RB, AI, T. Le H forme E. Et le E, se, avec le E et le S de Joly. T, T, H, E en haut 13, 42. Quatre lettres reliquats, Canada, Danemark, Grèce et Uruguay. Ajoutez Suisse S, Italie I, Luxembourg L. Vous jouez avec Canada, Danemark, Grèce, Uruguay, Suisse, Italie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Vingt-quatre points. Horizontalement en I6, en collante sous faible, nous posons lui, L-U-I-S. Le L forme il, le U forme bu, le I lit avec les lettres de faible et le S vient mettre lave au pluriel. Lui, L-U-I-S, en I-6. Ça vaut 24 points. Trois lettres reliquats, Canada, Danemark et Grèce. Ajoutez Suisse S, Norvège N, Italie I et Portugal P. Vous jouez avec Canada, Danemark, Grèce, Suisse, Norvège, Italie et Portugal. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
le coup est terminé. Trente-cinq points. Horizontalement en D8 en partant du A de Zouave et en collant, voilà. Avec pas mal de mots déjà sur la grille, nous posons Aspic. A de Zouave, S-P-I-C. Le S transforme lave en slave, le P âne en panne et le I forme in avec le N de vlan. Aspic, A-S-P-I-C en D8, ça vaut 35 points. Trois lettres reliques à Danemark, Grèce et Norvège. On ajoute Roumanie R, Canada C, Kenya K et Algérie A. Vous jouez avec Danemark, Grèce, Norvège, Roumanie, Canada, Kenya et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Quarante-cinq points. Horizontalement, en M7, nous posons Can, K-A-N. Le K transforme E-E-T en quête, K-E-T. Can, K-A-N, en M7. Ça vaut 45 points. Quatre lettres reliques à Canada, Danemark, Grèce et Roumanie. On ajoute France F. Danemark D, c'est le deuxième. Et Italie I. Vous jouez avec Canada, Danemark deux fois, Grèce, Roumanie, France et Italie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 26 points. Verticalement, en 8L, en double appui sur le A de Caen et le O de Tom, nous descendons Faro. F-A-R-O. Le R transformant moyé E en moyé ER. Faro, F-A-R-O, en 8L. Ça fait 26 points. Cinq lettres reliquats, Canada, Danemark deux fois, Grèce et Italie. On ajoute Tunisie, T. Et Norvège, N. Vous jouez avec Canada, Danemark deux fois, Grèce, Italie, Tunisie et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 16 points. Faites attention à la solution choisie. Verticalement en 11J pour terminer sur OS déjà sur la grille. Nous descendons Dingo. D-I-N-G. Le O de Jolie et le S de Tom. Dingo. D-I-N-G-O-S en 11J. Ça vaut 16 points. Trois lettres, reliquats, Canada, Danemark et Tunisie. On en ajoute quatre, que voici. Grèce, G. Roumanie, R. Deux fois. Océanie, O. Vous jouez avec Canada, Danemark, Tunisie. Grèce, Roumanie, deux fois. Et Océanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 20 points. Une nouvelle fois, vous ferez attention à la solution choisie. Horizontalement en C11. Pour coller au-dessus de la fin de Aspic, nous posons DOC, D-O-C. Le D transforme IN en DIN et le O forme OC avec le C de Aspic. DOC, D-O-C en C11. Ça vaut 20 points. Quatre lettres au reliquat, Grèce, Roumanie deux fois et Tunisie. On ajoute Égypte E, Italie I, Égypte E deuxième. Vous jouez avec Grèce, Roumanie deux fois, Tunisie, Égypte deux fois et Italie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 21 points. Horizontalement en J1, on appuie sur le I de surfaite. Et pour coller un peu sous faible et lui, nous posons irrité. I-R-R, I de surfaite, T et deux E. À la fin, il y a deux E. Le premier E forme il, I-L-E, et le deuxième bu, B-U-E, avec les lettres de faible et lui. Irrité, I-2-R-I-T-E-E, en J1, ça vaut 21 points. Le reliquat de une lettre, Grèce, eh bien vous ajoutez les six dernières, à savoir Égypte E, Tunisie T, Xénophon X, Uruguay U, Océanie O et Suisse S. Vous jouez avec Grèce, Égypte, Tunisie, Xénophon, Uruguay, Océanie et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Le top de ce coup s'élève à 51 points. Verticalement, en 1H, on appuie sur le I, le premier I de irrité. Nous descendons exigu. E, X, I, G, U. Et le S final, n'oubliez pas. Exigu. E, X, I, G, U, S en 1H. Ça vaut 51 points. Et donc, vous avez un reliquat de deux lettres, Océanie-Tunisie. C'est un tirage valide. Il n'y a plus de lettres dans le sac et vous jouez avec ces deux lettres, donc Océanie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Pour ce dernier coup, un maximum à 14 points horizontalement en K4. En partant du T de surfaite, nous posons TO, T-O-T. Le O forme TO, T-O et le T vient au bout de IL pour faire IL est. Il y a le T. TO, T-O-T en G, en K4, pardon, ça fait 14 points. Voilà qui termine cette partie en 24 coups pour un top cumulé de 806 points. Bon, c'est pas une partie très folichonne, hein. Il y a plein de petits coups, plein de petits, pas beaucoup de Scrabble, il y en a un seul. Voilà, c'est des choses qui arrivent, surtout dans les parties aléatoires. Et comme je sais qu'il y a certaines personnes, certains joueurs qui préfèrent les parties 100% aléatoires, je suis obligé de vous en proposer au moins une par semaine, en plus de celle des tournois officiels. Mais bon, c'est vrai que globalement, personnellement, je préfère animer, même jouer, hein, des parties qui font 20, 21, 22 coups maximum, avec quelques scrabbles, pas trop de petits coups qui s'entassent. Voilà. Bon, j'espère que vous aussi, parce que le reste de la semaine, c'est comme ça. Hein. Voilà. Allez, on va décoder du coup cette partie vite fait. Enfin, vite fait, non, on va prendre le temps, hein, qu'il faut une petite trentaine de minutes. Allez, on y va. Alors, le décodage sur Duplicate Club, ça se déroule de la façon suivante. Dans un premier temps, on passe en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les principaux sous-tops de chaque coup. Donc. Deuxième temps, les définitions des mots peu courants, donc les tops ou des sous-tops ou des mots qui sont dérivés. Ça sera dans le rectangle vert à gauche de la grille. Je vous les ferai défiler, je vous en donnerai lecture. Troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues précédemment. Et puis en bas, vous avez deux petites lignes qui défilent. Alors la première, c'est une sélection de quelques mots issus de la partie, hein, et puis de mots qu'on aurait pu éventuellement jouer. Hein. Par exemple, quand on a joué moyer, M-O-Y-E, donc c'est un verbe, on aurait pu rajouter un U. Zouave, on l'a vu, ou
Uzo, c'était un sous-top, Uzedo, nom masculin. Velt au premier coup, enfin non, pas au premier coup, au deuxième coup. Il faut savoir qu'on peut prolonger, c'est un nom féminin, on peut prolonger d'un S par l'avant, hein, Svelt. Voilà. Alors, nuée, N-U-E-R, c'est un verbe, mais c'est aussi un adjectif qui se prononce nouer, N-O-U-E-R. On verra la définition tout à l'heure. Oné, c'était un sous-top, on peut mettre un S devant, mais du coup, ça devient un verbe au participe passé invariable. Péan a deux orthographes, P-E-A-N ou P-A-E-A-N. Et puis voilà, le reste, on les a vus. Et en dessous, alors, j'étais pas du tout inspiré. Alors, je vous ai juste mis les mots de trois lettres avec le Z. Voilà. En général, je vais chercher une règle d'orthographe, une petite piste de mots, un tirage qui est en lien avec la partie. Et là, j'ai rien trouvé de particulièrement inspirant. Donc voilà, je vous ai mis tous les petits mots de trois lettres qui peuvent se jouer avec le Z. Évidemment, les interjections comme zou et zut sont invariables. Et donc, pratiquement tous sont des noms masculins, sauf indication contraire. Zo, fez, gaz, les, lez, préposition, né, ra, etc., etc. Ça défile en bas, je ne vais pas vous le lire. Vous savez lire, a priori, j'espère. Pas évidemment. Bon, bref, allez, on y va. Donc, le premier coup, on a joué faible, on pouvait jouer fiable pour le même score. Pourquoi faible ou je sais pas. Faible, on peut mettre un S au bout et après, si on a un E ici, on pourrait faire faiblesse. Voilà. C'est très peu probable, mais ce serait très joli. Ça faisait 30 points. Sous-top, fable à 28. Et puis, on avait également à 26, 4 solutions. Sans le B, du coup, élatif, fêlé, fécial et fileta. Avec le F qui double. Le coup suivant. Bon, il y aura pas. C'est pas une partie très très riche, hein, donc il y aura pas beaucoup de commentaires forcément. Plus au niveau des définitions, parce qu'il y a plein de mots un peu rares là qu'on joue. Donc là, on a joué Velt. On pouvait jouer Vélé également. Même score avec le V en pivot sur la case bleue. Un mot double, taveler, le verbe, ça faisait 20 points en 5G. Et puis on enlève une lettre en G9, on a 20 points aussi. Bon, rien d'extraordinaire. Alors là, on verra s'il y avait des possibilités d'appui pour scrabler avec ce tirage. Je n'en ai pas vu de prime abord. On verra tout à l'heure. Oner, donc A-U-N-E-R, le verbe. Donc, j'ai dit que c'était un sous-top, mais c'était pas un sous-top, c'était le top. 25 points, ça colle sur 3 lettres, ça triple. Sous-top à 23 points avec nuera qui colle sous faible. Nuer ou nouer, N-O-U-E-R, je découvre hein, cette acception-là, là, N-U-E-R pour dire nouer, un adjectif. On verra la définition tout à l'heure. Et c'est pas un adjectif qui se met au féminin avec un E. Hein. On peut juste rajouter un S, N-U-E-R-S. Voilà, 22, Aera, 20 points, et en H12, plusieurs solutions à 20 points, Anar, Ona, On et Aura. En I7 aussi, Euro, en H12, Aura, en I7. Bon, beaucoup de voyelles encore. Un joli péan qu'il faut connaître, un P-A-E-A-N ou P-E-A-N, on verra la définition après. Ça fait 25 points pour le top avec AV et le P qui triple. Péno en F8 qui fait Eve, ça fait 21. Apnée en F5, 19. Et puis après, il y a plein de solutions à 18 points. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais c'est au même endroit à peu près. Hein. Soit le P qui triple, soit on colle un peu et ça fait 18 points. Voilà. Open, Pana, Pan, Pan, Péan, etc., etc. Ensuite, allez, un petit coup qui dépasse les 32 points là, enfin qui atteint les 32 points. Enherba, donc du verbe enherber, le H qui double et le mot qui double, ça fait 32. Bah, BH qui forme bave, ça fait
et qui double, hein. Bas qui double, qui forme bave, ça fait 28. Même endroit, arrow, 27. Et ensuite, on descend à 22 avec toujours au même endroit, bar, rab avec un E. Et on obtient également un joli turbet, T-U-R-B-E-H, en 13G. Je vous rajoute la définition, je vous la donnerai tout à l'heure. Et donc, le coup suivant, enjolons sur un N. On n'a pas de N pour ce Scrabble. Et on a quand même 68 points avec le J qui triple et le mot qui double. Et on récupère les points de Enerba avec joli, donc au féminin pluriel, à 68. Et avec une lettre en moins, soit on enlève le S, soit on enlève le E, ça fait 66. Enjolé en 8A, 39. Des jets en N10 et des jobs au même endroit, ça fait 39 aussi. Le coup suivant, un magnifique vlan qui colle là-haut, qui fait lave, qui colle sur trois lettres, ça fait 29. En O11, le T au bout de enherbé, ça fait 24 avec mat, M-A-T, en collant, qui forme homme. Mauflan en 4F, 22 points, mot double. Mazo en 15L, le M qui double, le mot qui triple, 21. Et tonal, E. En 8A, ça fait 21 aussi. Le coup d'après, Tom, 29 points. Des mets METS pour faire en RB comme tout à l'heure, Matt. Mais là, ça gagne un peu plus puisqu'on a le S. 27, jolie osmose en 15J. Le M qui double, le mot qui triple. Et STEM en O8 fait 27 également en triplant et formant jeu et homme. Bon, puis après, il y a plein de solutions à ces endroits-là. Vous voyez, mon tome, bon, tout se passe en bas pratiquement. Et puis, si on a pensé à Slav, il y avait une jolie place là. Bon, ça fait que 22 pour le coup, moto. Mais on va l'utiliser après, cette place. On aurait pu s'en servir pour scrabler. Ça aurait pu faire en AS là, ou en IS, ou ES même, Eve. Hein. C'est nouveau, il faut y penser. C'était une place de scrabble assez... assez subtil, mais on ne l'utilisera pas comme tel. Moyer, donc le Y qui triple, case bleu foncé pour les lettres chères, toujours, enfin presque toujours. Enfin, en tout cas, il faut toujours y penser, c'est pas toujours le top, mais il faut toujours y penser, c'est souvent le top. 36 points, donc sous top 35 avec mi au même endroit, wa au Y fait 34, et moyer à l'infinitif en K9 fait 30 points. Le coup suivant, ça c'est joli. Zouave sur VE, c'est pas évident du tout. 57 points, on perd 19 hein, si on ne l'a pas. En 8L, Ouzo qui fait moyer EZ, c'est joli aussi. Et en 5G, 5K, à 30 points, on a Gazou. Et en 4L, Zamu, ZAMU pour 30 points aussi. Le coup d'après. Pas beaucoup de perspectives de Scrabble avec ce tirage. Le Q qui triple, quoi QI en B6, ça fait 27. En G3, le Q double seulement, ça colle un petit peu, ça fait 25. Avec qui au pluriel, en dessous c'est pareil. Et où WUS, 23 points en C7, rien d'extraordinaire. Le tirage d'après, et où est le W qui triple, 32. En O13, on prolonge en RB d'un S ou d'un T et on joue jusqu'au triple sué ou tué, ça fait 30, tout comme web au pluriel en L11. Le coup d'après, alors on n'a pas de E pour méridien, de O ou de A pour amoindri. Il y a sûrement d'autres possibilités de scrabler avec ce tirage, mais aucune ne passe sur ce coup. Donc c'est une partie assez frustrante à ce niveau-là, parce qu'il y a quelques... tirage à Scrabble, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques-uns et ça passe jamais. Et il y a très peu de Scrabble, il n'y en a qu'un seul, c'est le coup suivant. Donc là, de Nîmes en O1, ça fait 28, midi au même endroit au pluriel, 26, dans DAM en M5, ça fait 25, tout comme midi au singulier
à la place du top, divin au même endroit, fait 20. Bon, il y a plein de solutions à 24, là, dorin, drin, marin, domino en 8J qui fait moyen. Ah oui, il fallait penser à moyen aussi. Alors là, on a quelques scrabs, mais alors pas beaucoup, pourtant c'est un tirage très très riche. Hein. Là, vous prenez sur plein de consonnes réputées, sur, et alors sec, il y a usuré, tueré, sueré, il y a plein de conjugaisons avec les termes, avec les lettres A, E, I, R, S, T, là on a plein de finales verbales. Donc ça c'est un tirage très très riche pour scrabler, mais pas grand chose. Comme place de disponible, donc on n'a que trois scrabs qui passent. Sur le E, le binôme de 8 lettres sauterie estuaire fait 68 points, et sur le F, surfaite qui double à 72, réfuté, feutré, fureté, tout ça, fuseré, refusé. Enfin, il y a plein d'anagrammes à surfaite, mais il n'y a que surfaite qui passe. Ça peut se rater hein, si on n'a pas sauterie estuaire. Le surfait n'est pas évident. Et puis sous top à sans scrabler, donc on ne dépasse pas les 30 points avec en haut 13 plusieurs solutions, le S ou le T au bout de en RB comme tout à l'heure, et puis UA ou UE on ajoute. Et en 14B, 3 solutions à 27 points, rétèse, tireuse et trieuse, qui mettent velt au pluriel et qui double. Le coup suivant. Alors, on a retenu T et THE en bas pour faire en RVAIT qui triple pour garder un peu de place par ici, là, voilà. Parce que chute faisait exactement le même score, 42. C'était une bien jolie solution avec le C qui double en pivot, le mot qui double, nickel. Étuse avec un ou sans A au début, à E, c'est une méduse. En double appui, le H qui double, le mot qui triple, ça c'est joli aussi, ça fait 39. Chuté et E en 2J, 32 points. Et décru, le verbe décroire en K10, ça faisait 31, décru UT. Alors ici, on a bien un E pour glucide, mais pas la place de mettre le S, malheureusement. Donc on reste un peu plus léger, avec 24 points seulement. Et on a lui, L-U-I-S, du verbe luire en I-6, qui fait le même score avec lave au pluriel. Guild en 2J fait 22 et en à 20 points en D10 on a SIL, QI, Q au pluriel. Il y a plein de solutions en 20 points, je ne vais pas toutes les faire. CUD en 3I, Lucide en 2J, etc. etc. Vous les voyez à l'écran. QBI en L11. Voilà, voilà. Alors, le coup d'après. Aspic. Ah, voilà, ça, c'est une jolie solution. Slave. Aspic qui transforme lave en slave. Ça colle sur deux autres lettres. 35 points. Même principe, mais sans doubler. 25 points avec Gaspi. Pic. En D10, ça fait 24. Aspi, 23. Gasp, 22. Pic, 22. Les six premières solutions se passent à cet endroit-là, donc il ne fallait pas trop rater la place. Alors, le tirage suivant ne donne a priori rien pour scrabler, et sur la grille, ben, on a le K qui double en pivot là pour Khan et Quête. K au même endroit, on enlève le N, ça fait 43. Et en 3I, 44. Rak, RACK en M5 fait 41. Avec C, case bleu ciel en pivot, et le A qui récupère le Y, AI. Ça fait quelques points, 41. Le coup suivant, Pharo, moyen, 26. Le F qui double. En L8, le FIC, FIC fait 23 points. SIF, 20 points. Et FI également. Frigo en 11J est aussi à 20 points. Allez, on s'approche de la fin de la partie, là, il n'y a plus grand chose de très intéressant. Donc sur OS, on avait Dingo et Dico pour 16 points, on a choisi Dingo. 14 avec Dict en 2K, et 6 CI en C5, ça fait 13. Le coup suivant,
Doc égalé par Gore, G-O-R-D, on verra la définition tout à l'heure. En séance, ça faisait 20 points, formant Din ou Jin. Dor, D-O-R-T, 18. Toc, 17. Enfin, tout se passe ici aussi, encore une fois. Il y a beaucoup de coups où les premières solutions sont nombreuses au même endroit. Alors là, c'est encore un tirage un peu stressant, frustrant, pardon, parce qu'on n'a pas de place pour scrabler, alors qu'on aurait de quoi faire. Hein. Régir sur un N, retiger en main, retigera sur un A, enfin voilà. Donc 21 points avec un joli solution, là, irrité et E, qui colle sur deux lettres, enfin qui prolonge deux petits mots, il et bu avec un E, 21 points. Régie en C3 qui forme qui, QI, ça fait 19. Terry également au même endroit. Érigé en 3A. Étigé aussi. Regret, tigré. Bon, il y a plein de solutions en 3A qui font 18 points. Et été en J6 également. Ensuite, le I nous a ouvert le triple et on peut jouer exigu pour 51. On enlève le S, on a 48. Exit au pluriel, 45. Exit au singulier, 39. Tex en 5J, 39. Joli sextuor ici avec le X qui triple à 36 points. Et c'est l'avant-dernier coup et le dernier coup, TOT qui forme il est. Et à la verticale, ça fait 2 points de moins. Voilà, on en a terminé donc avec les coups de la partie. On va passer maintenant aux définitions. Donc, je les fais défiler. C'est pas forcément exhaustif. Et puis, elles ne sont pas non plus nécessairement dans l'ordre d'apparition, puisque je prépare et puis j'en ajoute après au fur et à mesure. Alors, Welt, nom féminin, c'est une règle graduée servant à jauger les tonneaux. Le velay, c'est une doublure du voile de dessous des religieuses. Doublure du voile de dessous des religieuses. Excusez-moi. Aunay, mesuré à l'aune. L'aune étant dans cette acception-là, une ancienne mesure de longueur. Péan, P-A-E dans la A-N ou P-E-A-N dans l'Antiquité grecque, c'était un hymne guerrier. Donc, nouer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, N-U-E-R, on peut donc rajouter un S, d'un peuple du Soudan du Sud, adjectif, et évidemment il y a le verbe nuer qui signifie assortir en parlant des couleurs. Péno, c'est un terme familier pour désigner le penalty au football. Enherbé, ensemencé d'herbe. Alors le verbe et sa définition ne comportent que la voyelle E. Vous voyez, c'est impressionnant. Enfin, ne comporte comme voyelle que le E. Voilà. Moyer, scier une pierre de taille en deux parties égales. La mi-MYE, un mollusque bivalve comestible. J'allais dire vivable, vous voyez, parce que c'est anagramme, bivalve et vivable. Ouzo, non masculin, liqueur d'anis d'origine grecque. Ewe, E-W-E, avec ou sans E supplémentaire à la fin, puisque c'est un adjectif. En plus du nom masculin d'un peuple du Togo. Qi, qu'on peut prononcer Qi également, QI, énergie vitale dans les pensées chinoises et japonaises. Ça n'a rien à voir avec le QI, qui est un sigle, hein, quotient intellectuel. Donc les sigles, dès lors qu'on a un point entre les lettres, ne sont pas admis au Scrabble. Denim, D-E-N-I-M, nom masculin, tissu de coton pour jean. Aspic, c'est une sorte de vipère, et c'est aussi, alors trois définitions différentes, hein. Aspic, sorte de vipère, l'avant de mâle, dans ce cas-là c'est la même chose que spic, S-P-I-C, et c'est aussi un mets enrobé de gelée. Le gaspille, c'est l'abréviation du gaspillage. Khan, K-A-N ou K-H-A-N, titre princier mongol ou caravansérail. Faro, le faro, c'est une bière belge. Le fic, verru des équidés ou des bovins, ça peut pas être très joli. Le gorge, G-O-R-D, d'un dispositif de pêche fluviale composé de perches et d'un filet. Le dingo, c'est le chien sauvage, et c'est aussi un adjectif pour dire fou. To, avec ou sans accent circonflexe sur le O. En Afrique,
C'est une pâte de farine de mil. Tavelée, marquée de petites taches, avec un ou deux L devant E muet. Mouflée un ou deux F en Belgique, recalée à un examen. Gazou au Québec, c'est un instrument de musique folklorique. De Nîmes, je l'ai déjà dit. Quête ou Ketch, Ketje en Belgique, c'est un gamin de Bruxelles malicieux et frondeur. DIN, DIN, invariable, pas de S au bout. En photo, c'est une échelle de sensibilité. Élatif en linguistique, K indiquant la sortie d'un lieu. Fécial avec un C ou un T, c'est relatif aux fessiaux qui étaient des prêtres de la Rome antique. Alors, Turbe, Turbe ou Beh, mausolée islamique. Et sinon, il y a Turbe, mais là, c'est parce qu'on avait, en sous-top, on avait Turbe, Turbeh. Et ben voilà, on en a terminé. Avec les définitions, on va maintenant passer aux potentialités des tirages. Donc, je vais changer pour cela d'affichage. Et je reviens au premier. Donc, au premier coup, on a eu faible plus T. Là, on n'avait rien, évidemment, il n'y avait rien en 7 lettres. En 8 lettres, batifole seulement sur un O. Et en 9 lettres, fatigable, faiblite, fiabilité, filtrable. Évidemment, les batifolés. Pas de batifolé et e, le verbe a son participe invariable. Bisulfate fabuliste et fustibale, ça c'est un magnifique trinôme de 9 lettres. Bisulfate fabuliste et fustibale, qu'on retrouve ici. Alors le tirage suivant ne donnait rien en 7, rien en 8 et rien en 9. Le tirage d'après, on avait organo sur un G et enamoura sur un M. Alors ça, j'avais pas du tout vu. Et puis avec une lettre en plus, boucanera, anacrouse, aéronaute, argonaute, louangera, aroumène, épanouira, évanouira, ouatinera, ajournera. Bon, pas mal de conjugaisons. Anomalure, auréolant, monoral. Ramponeau, Ramponeau. Allez, on va en mettre un quand même dans les définitions pour faire joli. Un coup violent, d'accord, je ne connaissais pas. Enamoura plus P, ça donne Ramponeau, qui peut prendre un ou deux N. Allez, le suivant. Rien en 7, rien en 8 et en 9. Décidément, j'arrive plus à appuyer sur les bonnes touches. Voilà. Et en 9, on avait saponacé aéroplane. Ensuite, Coobera Réoboam, c'est splendide, absolument pas vu. En 9 lettres, on aura les variantes. Et puis, Orobanche, honorable. Enjolon sur N, en 8 lettres pour ce tirage. En 7, il n'y avait rien. Et en 9, Yodeleron. Enjolion, toute logique. Le tirage suivant ne donne rien en 7, rien en 8. Et en 9, malvoyant et Montravel. Ça doit être un vin, ça, ou un fromage, non? Un vin de Dordogne. Le coup suivant, le tirage suivant, rien en 7, rien en 8. Et en 9, osmotique. Le tirage d'après ne donne rien. Le suivant non plus. Ici, nada. Que dalle. Ah voilà. Le tirage avec les deux îles Joker. Donc on n'a pas scrablé sur ce coup. Hein. On aurait pu si on avait eu quelques appuis disponibles, mais rien de tout ça. Amoindri, diriment. Alors, diriment, ce n'est pas un verbe. Hein. C'est un adjectif en droit qui signifie. Qui annule ou qui fait obstacle,
Diriment, dirimante. Diminué méridien, mérinidé ou mérinide. Oui, mérinide, d'une dynastie musulmane du Maroc. Myrmidon. Et c'est tout. Et en 9 lettres, on aura toutes les flexions de tout ça, plus des conjugaisons. Mandriné, mignardé, minaudier, misandrie et radinisme. Alors, misandrie et radinisme, c'est anagramme. C'est marrant. Intimidé, vermidien. C'est précis comme horaire. Vers midi 1. Pardon. Alors, bref. Alors, le tirage suivant, là, c'est ce que je vous disais. Il y a plein de solutions. Auristre, situa, sautier. Si tu rassures, tu aurais usuré rien qu'en cette lettre. Donc, cette solution en cette lettre. Puis après, il y a plein de choses. Je vous épargne les conjugaisons, nombreuses, les pluriels, nombreux. Suricate, traduise. Parce que c'est joli, c'est une conjugaison, mais c'est plus joli. Ces deux-là, on les a vus. Avec le F, c'est pareil, il y a 7 solutions, dont celle qui passe au top, une seule. Sur I4, peut s'écrire avec un K également. Mouriste, sur un M. Tamiseur. Asturien, insaturé, adjectif. Satineur, Saturni. Uraniste. Psautier. Sapiteur. Bon, plein de possibilités. Azurite avec le Z. Voilà, on a joué surfait sur ce coup-là. Alors, le tirage suivant ne donnait rien en 7, rien en 8. Et en 9 lettres, on avait dégauchi, du verbe dégauchir. Ici, glucide sur un E et glucoside en 9 lettres. Le tirage suivant ne donnait rien en 7, rien en 8. Ici, c'était pareil. Idem. Toujours rien. Il y a beaucoup trop de... pas assez de voyelles, beaucoup trop de consonnes. Alors voilà, ici, on avait retigé en main. Donc, géreré, gériatre, gréeré, régatier, regréé, retirage, intégré, régir, trirègne. Oh, ça c'est dur, ça trirègne. Registre, grutière, pardon, et tigrerait, le verbe. Bon, 9 lettres, je vous mets pas, il y aura trop de choses. Et ici, rien en 7, rien en 8. Et puis après, on avait terminé. Rien en 9 non plus, hein, pardon, j'ai pas dit, mais avec ce tirage, il y aurait rien en 9 lettres. Allez, je vous remets sur ce tirage-là. Voilà, bah écoutez, c'était un peu longué, hein, la partie fait 24-25 coups, donc forcément ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette partie et son décodage. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez appris 2-3 bricoles. Et puis si la partie vous a semblé un peu longue, et ben venez le reste de la semaine, il y a des parties beaucoup plus rapides, beaucoup plus courtes. Voilà, une vingtaine de coups en général, hein, que ce soit les parties du mardi, du... Après, il y a les parties de joker, forcément, ça va plus vite. Et les détonantes, par définition, le vendredi, elles sont en 19 coups maximum. Donc voilà. Donc si vous trouvez votre bonheur sur la chaîne, eh bien, je vous invite à vous y abonner, à en parler autour de vous. Et puis pour celles et ceux qui le peuvent, il y a également possibilité de nous soutenir financièrement. Donc il y a des petits liens qui apparaissent dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.